Vous avez vu que depuis que j'ai commencé les vidéos rénovation, j'aime énormément louer des pelleteuses pour faire un peu tout et n'importe quoi, y compris entreprendre la construction de mon bunker. Sauf que j'ai un problème. J'ai regardé un peu les comptes et ça commence à coûter très cher. Je crois qu'on est déjà entre 2500 et 3000 euros de location, alors que j'ai pas non plus loué énormément de fois des pelleteuses. Parce que forcément, on loue la pelleteuse au jour, mais en plus de ça, il faut compter la livraison. Comme c'est avec des gros camions, ça coûte cher. Et sur internet, je me suis rendu compte que sur certains sites chinois, on pouvait acheter une pelleteuse pour à peu près 5000 euros. En sachant que c'est forcément un peu plus que 5000 euros parce qu'il faut compter la livraison, les frais de douane, etc. Là, j'ai besoin d'une pelleteuse très rapidement pour continuer le projet du bunker. Et je me suis dit, bah pourquoi pas essayer d'en acheter une. Finalement, même si j'ai envie de la revendre après quelques utilisations, j'aurais perdu moins d'argent qu'avec la location. Ça semble être une très bonne idée, mais est-ce que c'est le cas? Et ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que j'ai trouvé le moyen d'avoir une pelleteuse en quelques jours. J'ai trouvé une entreprise en France qui achète d'énormes conteneurs remplis de pelleteuses et qui les revend. Du coup, ça m'a permis de l'avoir super vite. Ça tombait bien parce que j'allais en Espagne. Ouais, cette année, je suis parti en vacances, truc incroyable. Et du coup, sur mon chemin, je me suis arrêté à Toulouse pour voir un peu la qualité de la pelleteuse. Alors, je l'ai pas encore essayé, mais j'ai été vraiment surpris. Voilà la bête. Je suis juste impatient de pouvoir la tester parce que pour l'instant j'ai juste démarré et j'ai fait quelques mètres avec pour la ramener jusqu'ici, mais dès que je l'ai vue dans le hangar j'étais sûr de la prendre. Je pensais que pour ce prix là j'aurais un truc en toc avec de la tôle super fine, donc quand je vois la flèche je suis vraiment impressionné. J'ai hâte de voir s'il y a de la force. Avec ça j'ai pris quelques options, un godet de 20 cm, un de 40 cm et un peu plus grand qui doit faire quasiment 1 mètre. Et on discutait avec le gars et je lui ai dit bah voilà, peut-être plus tard je prendrai un crochet, un grappin forestier, mais c'est pas une option dont j'ai besoin tout de suite, donc je la commanderai plus tard. Il me trouve sympa et il finit par m'offrir le grappin forestier. En plus c'était vraiment spontané, il me connaissait pas du tout, c'était pas un abonné, donc c'est pas du tout sponsorisé hein. Je l'ai acheté la pelleteuse, mais il y aura le lien de cette pelleteuse en description si vous avez envie de l'acheter. Je sais pas s'il y aura un code promo, je vais essayer de voir avec lui. Croyez-moi, avec la chaîne YouTube je bosse avec plein de fournisseurs, plein de boîtes différentes, et c'est rare de trouver des gens aussi cool. Donc voilà, ça fait plaisir de rendre aux gens qui le méritent. Je vous promets que je l'ai vraiment acheté la pelleteuse, on me l'a pas offerte, mais j'ai quand même mis la pastille vidéo sponsorisée. Parce que vous allez comprendre à la fin de la vidéo. Alors je sais que vous avez très envie, comme moi, de voir si cette pelleteuse fonctionne bien ou pas. Mais avant ça, on va passer par une étape super importante. Dans cette boîte, il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon tuning de pelleteuse. Olivier ! Premier truc, un magnifique pot d'échappement avec un contour en carbone. Ça va être beau. Le problème, c'est que le pot est beaucoup plus large que celui d'origine. Donc on va fabriquer un adaptateur avec des morceaux d'inox. Magnifique petite bague d'adaptation en inox. On va voir si ça rentre. Ça rentre un peu difficilement. Ça y est, la pelleteuse a complètement changé. Non. Attendez, il y a encore pas mal de trucs dans le carton. Le principal pour une pelleteuse de qualité, pour ça j'ai imprimé un support en 3D. Magnifique, c'est encore mieux que dans mes rêves. Oui, je rêve de pelleteuse. Hein. Je vois en plus les vidéos de la boiserie avec des engins énormes, ça me fait rêver. Et là, c'est mon tour, la première petite pelleteuse. Alors ça, ce sera pour après et on arrive sur les phares. On va rajouter deux phares à l'avant, comme ça, on pourra faire de la pelleteuse à 4h du mat. Pareil, petit support imprimé en 3D. Je pensais pas qu'avec les impressions 3D, ça rendrait aussi bien. Elles sont magnifiques. Oh, très important, les rétros. Parce que sur un chantier, il faut quand même voir ce qui se passe derrière. Il faut regarder derrière avant de reculer. Et après, je le tourne vers l'autre côté. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Je me souviens plus ce que c'était. Ah bah si, le rétro central. Voilà, parfait. Ça, c'est le gyrophare. Il est monstrueux. J'ai pris un truc de chantier pour des machines vraiment beaucoup plus grosses que la mienne. Là, on passe aux choses sérieuses. Un énorme porte-voix pour alerter s'il y a quelqu'un sur le chantier. Il y a quand même 200 watts, hein. C'est un peu beaucoup. Et là-dedans, on a toute la partie ampli et le micro. Bon, bah je vais fixer ça directement dans le toit, je pense. Le truc, c'est que j'ai aussi autre chose à mettre sous le toit, donc il faut que j'ai assez de place. Je vais rajouter un klaxon de train. Attention au départ! On passe aux prises d'air. Je vais enlever les indications de sécurité pour les mettre à la place. Bon, je les garde précieusement, ça pourra servir tout à l'heure. Et là, c'est marqué high quality, donc ça va être vraiment des très belles prises d'air. Et avec ça, je pense que la pelleteuse ira beaucoup plus vite. Vous êtes satellisé. Super important, l'aileron qui va permettre à la pelleteuse d'être
ramener contre le sol pour éviter qu'elle décolle si elle va trop vite. Ça ne paraît pas. Hein. Pour les LED, j'en ai de deux sortes différentes. Les premières, ça se place en dessous de la pelleteuse. Ça va faire une sorte d'éclairage néon. Et les deuxièmes, c'est des bandes qui se coincent dans le carénage de la pelleteuse. Il reste plus grand chose dans le carton. Une prise USB pour charger son téléphone, un bouton pour le klaxon et du scotch pour la déco. On met tout ça dans une boîte imprimée en 3D, un régulateur parce que tout n'est pas en 24 volts et on peut relier tous les câbles de ce qu'on a installé. Je vais faire ça hors caméra, on se retrouve après pour le test. C'est beau, c'est beau. Ça y est, le tuning est terminé, on va pouvoir faire le premier démarrage. Et heureusement, j'ai gardé toutes les instructions. Donc il y a trois étapes. Déjà, on doit mettre un coup de klaxon pour informer les gens autour. Là, c'est ce qu'on va faire. Ok, je pense que les gens sont prévenus. Deuxième étape, confirmer qu'il n'y ait personne autour de la machine. Là, je l'ai mis vraiment au minimum du volume. Il y a quelqu'un ? J'ai envie de mettre au max. C'est un peu trop puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je pense qu'il y a personne. Et la dernière étape, mettre quelqu'un pour surveiller la zone ou installer des rétroviseurs. Mais là, je pense qu'on a ce qu'il faut. Il faut juste que je les règle et on va pouvoir démarrer. Pour le démarrage, un petit coup de clé. On a 0,2 heures de fonctionnement, donc elle est vraiment toute neuve. Le voltage de la batterie, le bouton des phares. Et là, normalement, je mets un petit coup de clé et... Il y a un truc que je comprends pas là. Je vais regarder dans le manuel d'utilisation. Page 6, démarrage. Ah bah il manquait les gaz. Et voilà, je pense que ça c'est comme sur une pelleteuse classique. Yes. Bon bah ça a l'air de pas mal marcher. On va changer le godet pour mettre le plus petit pour le premier trou. À ce prix là, c'est pas les attaches rapides avec la clé comme sur les autres pelleteuses. J'ai jamais testé ça, je sais pas si c'est facile à défaire. Et de ce que j'ai compris, il y a juste cette vis à dévisser un peu. Et bah ça a l'air de marcher. Pour être honnête, c'est pas aussi rapide qu'avec une clé, mais j'avais un peu peur et ça se fait super bien, donc ce sera pas un problème. Bon, je vais pas vous en montrer plus pour l'instant, ce sera pour une prochaine vidéo, mais sachez que j'ai quand même pas mal testé la bête, je suis à plus de 30 heures d'utilisation. On va rappeler Laurent qui m'avait offert le grappin forestier pour voir si je peux pas gratter quelque chose pour vous. Bonjour Harry, comment allez-vous ? Très très bien, et vous ? Non, je suis content que vous soyez content de l'appel. Ouais, je suis super content, c'est vraiment ce que je voulais. Bon, pour être totalement transparent avec vous, ce que m'a proposé Laurent, c'est que mon entreprise touche un pourcentage des ventes si vous passez par mon code promo, et puis vous avez un beau cadeau, donc c'est vraiment gagnant pour tout le monde. Le client, en fait, dès qu'il a le code promo, il a un pack terrassement d'une valeur de 467 euros. C'est quel godet déjà ? L'attache rapide, le godet en 20, le godet en 40 et le godet en 100. Vous l'avez compris, c'est un super truc, franchement, je suis trop content, vous allez avoir un meilleur cadeau que moi si vous achetez l'appel, parce que vous avez carrément le pack terrassement complet offert. Donc il y a un godet de terrassement, un godet de curage, une attache rapide. Vous verrez sur le site, il y a pas mal d'autres machines, des mini chargeurs, des tracteurs, etc. Moi ma pelle, c'est la CL12S et je vous déconseille de prendre la CL12 parce que même si elle est un peu moins chère, elle a pas la flèche orientable. Si vous voulez creuser proche des chenilles, bah, ce sera pas possible. Comme Laurent est allé en Chine pour visiter l'usine, je lui ai demandé s'il avait pas des photos, des vidéos, etc. pour voir un petit peu comment ces mini pelles étaient fabriquées. Vous le savez, c'est le genre de truc qui m'intéresse énormément. Et il m'a carrément donné l'accès à un drive complet. Donc on va regarder tout ça ensemble. Mais d'abord, j'aimerais parler des points faibles de cette mini pelle, parce qu'il y en a. Alors déjà, le premier truc, je vous l'ai dit, je suis à peu près à 30 heures d'utilisation. Sauf que quand on oublie de couper le contact, ben en fait, le décompte des heures continue. C'est un compteur électronique. Même quand la mini pelle n'est pas démarrée, elle continue à prendre des heures. Et moi, je suis à peu près à 40 heures et je les ai pas faites. Ça peut poser problème si un jour vous voulez la revendre, parce que forcément, le décompte correspondra pas à ce que vous avez réellement fait. Elle est pourrie ta bagnole de merde. Deuxième truc, l'attache rapide, clairement prenez-la, sinon vous allez
galéré à changer les godets. Mais ça reste un peu moins rapide, un peu plus artisanal que les attaches avec la clé que j'avais l'habitude de voir sur les pelleteuses de location. Après, forcément, c'est pas le même prix. De toute façon, allez voir sur le Bon Coin, vous allez être choqué des prix des pelleteuses d'occasion. Bon, à part ça, j'ai pas grand chose à dire. Je reste assez choqué de la qualité de fabrication pour le prix. Je m'attendais à des tôles vraiment plus fines. Alors, évidemment, il y a quelques économies qui sont faites, notamment sur le siège. On voit que c'est pas de très bonne qualité. Mais vraiment, sur les pièces déterminantes, il y a tout ce qu'il faut. Et le gros avantage par rapport à l'acheter directement en Chine, c'est que là, on n'a pas de surprise avec la livraison, les frais de douane, etc. Et surtout, les pièces sont disponibles chez un revendeur français. Donc, c'est beaucoup plus facile de les avoir s'il y a quelque chose qui casse. Bon, maintenant, on va regarder ce que nous a envoyé Laurent. Ok, donc là, il y a les moteurs. Waouh, la quantité énorme. Ouais, il y a des moteurs différents parce que je crois qu'il y a des pelles plus ou moins grande taille. C'est gigantesque. Oh. La quantité de pelleteuses. Ah oui, il y en a qui ont aussi des cabines, mais ça c'est une option, je suis pas sûr qu'elle soit vendue en France. Et Laurent qui fait un petit test de la pelle. Les joysticks sont au niveau des accoudoirs. Bon, sinon à part ça, c'est la même. Ah, mais celle-là, elle a aussi les chenilles qui se déplacent. Moi, c'est chenilles fixes, mais en fait, de toute façon, je voulais pas des chenilles qui s'écartent, parce que si je les voulais, c'était plutôt pour passer dans les portes plus fines. Sauf qu'en fait, celle-ci, elle s'écarte, mais elle se rétracte pas plus que le modèle que j'ai. Attends, mais c'est un karaoké sur un truc militaire. C'est quoi ce truc? Ouais, donc Laurent, en fait, il vend des pelleteuses, mais il est aussi chanteur à ses heures perdues. Moi, je veux voir les machines, là. On a un truc que j'avais remarqué, les soudures sont vraiment très propres. J'avais vu des modèles sur AliExpress qui avaient vraiment l'air d'être un espèce de motoculteur en toc. Là, c'est pas le même game. On se rapproche vraiment plus des modèles de pelleteuses qu'on peut louer dans le commerce. Et là, petite découpe laser, c'est la concurrente de... Bah, on a toujours pas trouvé le nom, d'ailleurs, hein, pour ma découpe laser. Donc là, il y a toutes les chutes, les plaques d'acier. C'est ça, ce qui est dingue, c'est de voir vraiment l'assemblage de A à Z d'une pelleteuse. Ils partent de plaques de métal, quoi. Et derrière, les mini-chargeurs, les pelleteuses, tout ça. Bon, j'avoue que j'aurais quand même préféré avoir ma pelleteuse en jaune et noir. Je suis trop content, un nouveau jouet s'ajoute à ma collection, il va énormément me servir pour les prochains projets. J'espère que la vidéo vous aura plu, salut!